Bonjour à tous, soyez le bienvenu sur mon premier tutoriel à ce que concernant l'utilisation du boîte email Gmail, et surtout à ce que concernant spécifiquement les messages reçus, comment les organiser, comment les filtrer, si ce que on va savoir pour l'instant. Et maintenant, on dirige vers la boîte Gmail. Vous voyez, c'est déjà ouverte. Comme vous voyez, la page principale du Gmail est plein du beaucoup de messages de la part de plusieurs émetteurs. Comme vous voyez ici. Il y en a Oussama Chourad m'a envoyé du message simultanément. Et mon but, c'est d'avoir filtré ces messages à ce côté-là. Comment je vais faire? C'est à la passée, Oussama Chourad m'a envoyé un message. Il n'affichera pas sur cette page, mais il va s'afficher ici. L'objectif de cette astuce, c'est pour minimiser, pour gagner l'espace du page. C'est comme vous voyez ici, c'est pour moi, j'ai filtré tous mes messages reçus de la part de l'organisme du Facebook. Comme vous voyez, j'ai reçu 6573 emails. Tels les commentaires de mes amis, les ajouts des amis, toutes les nouveautés, les nouveautés venant sur mon Facebook, je le reçois ici sur mon Gmail. Si on croit, si on suppose que ces 6573 messages sont affichés ici, combien de pages je vais avoir? À la page de 2083, je vais avoir même plus 100 000. C'est comme ça, j'ai un bagage dans ma boîte email, ce sera très 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 lent à l'ouverture. On commence le travail ici. Maintenant, sur ce machin-là, je vais filtrer ces dossiers. Ces messages. Premièrement, je clique sur le nom de l'émetteur. Je prends sa boîte. Je viens ici. Il y a plus. Je clique sur plus. Il y en a marqué comme lui. Je dirige vers filtrer les messages similaires. Automatiquement, il indique son Facebook. Désolé, il indique son email principal. C'est son email, l'email de mon collègue Oussama, c'est mc.chourad@gmail.com. Je clique sur cette icône pour que tous les messages concernant cet email soient filtrés sur ce dossier que je viens d'écrire. Contenant une pièce, non, c'est pas ici, c'est ici. C'est ici, oui. Appliquer également ce filtre à deux conversations correspondantes. Donc, tout à l'heure, on a vu que je reçois deux messages de la part de monsieur Chorat. Je clique ici. Et je clique ici. Comme vous voyez, ne pas afficher dans la boîte réception. Donc, c'est la page principale. Si je reçois un message de la part de monsieur Oussama, je ne le reçois pas sur l'écran d'affichage principal du boîte email, mais je le reçois comme ici, comme vous voyez, je le reçois sur un dossier ou bien un nom renommé de mon choix. Soit je vais écrire son nom, son pseudonym, quelque chose comme ça. On commence le travail. Ce n'est pas affiché dans la boîte. Maintenant, on va faire appliquer le libellé. Sélectionner le libellé. On a créé un filtre.
je donne pas des humains, j'ai oublié. Message, voilà, créer un filtre. Oui, appeler les libellés, ne pas envoyer. Finir. Sélectionner les libellés. Nouveau libellé. Je vais écrire ici. Osama Shurad. Créer. Créer un filtre. Automatiquement, son nom s'indique ici. Si je cherche sur Osama ici, Osama ici, Osama, c'est une affaire alphabétique, oui, c'est descendante, c'est bien Osama, voilà, 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 c'est Osama Shorad. Osama Shorad, je clique, c'est deux messages. Si je reviens à la boîte de réception, je crois que je ne retrouve pas. Vous voyez, il n'y a pas. Je demande à M. Shorad de m'envoyer un message pour qu'on voit qu'il ne s'affiche pas sur l'écran. Et ça se passe automatiquement à cette libellé ici, ici deuxièmement. En attendant, lorsque mon ami m'envoie un message, on va voir ce truc. C'est un truc qui fait vraiment une astuce qui simplifie une organisation de mes emails, un filtre de mes amis. Tout message venant de la part d'un ami de moi, je le filtre, je le fais à côté. C'est même un travail très souple. Ça va être souple. Boîte de réception, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur la boîte de réception. Pas encore envoyé. Voilà, il y en a un ici. Comme vous voyez, il y en a un qui s'affiche. Oui, vraiment, il m'a envoyé un. Si un message ou bien plusieurs messages venant de sa part, soit 1, 2, 3, ça s'écrit ici. C'est parce que le nom est très un peu très très long. C'est pour cela, ils n'auront pas combien. Mais si je suis comme ça, si non, ça me donne pas. Je peux pas. Non, je vais pas. Alors, on dit que qu'il s'ajoute ici le nombre du message reçu de la part de mon émetteur. Bon, voilà où ça met. Tout à l'heure, on a deux messages. Maintenant, sur l'écran. Le principal, on fait boîte de réception, je ne reçois rien de sa part, il n'y a rien. Maintenant, si on passe à Osama Shorad, je clique ici, il y en a deux. Si, comme vous voyez, il y en a le troisième message reçu de la part de Osama. Tout à l'heure, il y en a deux, maintenant, il y en a un troisième. Et merci bien, et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. En espérant bien voir d'autres choses sur les astuces du Gmail en totalité et en global. À très bientôt et merci beaucoup pour votre attention.